Donc salut tout le monde, c'est Question 4 pour le 32e épisode et bienvenue à Las Vegas. Oui, c'est bien Las Vegas, hein. C'est bien le nom de la ville, c'est Valsega, mais quand on replace les lettres correctement, ça fait Las Vegas, hein, écoutez. Mais pourquoi pas. Donc c'est dire en gros que depuis tout ce temps, on est en Amérique. Ouais. Enfin bref, j'espère que cet épisode va vous plaire. Moi perso, je pense qu'elle va me plaire. Hein. D'abord, on va aller voir s'il y a une arène, si on peut y accéder. Si on peut pas y accéder, bah, je suppose que c'est parce que la Team Rocket fait chier. Il y a 300 000 casinos là-dedans, c'est un truc de fou. Las Vegas, c'est la ville que pour ça, hein. Que pour le casino. Ouais, là j'étais sur le point de sortir. Où qui est l'arène? Ah, ça c'est le grand casino. C'est pas genre le petit casino que tu trouves à chaque coin de rue. Non, c'est le casino. Ou pas? Il y a vraiment que des casinos si c'est pas possible. Ah, l'arène. Je viens de la voir. Dégage, petite bestiole de merde. Bien caché, hein. Et on peut y accéder. Un casino encore. Quelque chose me dit que cette arène est une arène de type acier, peut-être. Casino veut dire argent, et argent c'est fait avec du métal, donc pour moi c'est du type acier. Ou alors petite normale, je sais pas. Tu peux utiliser les machines à sous derrière moi. Ah, machine à sous, autant derrière moi. Autant que tu veux. C'est cool, non? Derrière toi, il y a le mur, hein, juste pour te dire. Faire rampe. Non, c'était type électrique. Ou acier, peut-être. Ce qui veut dire plusieurs choses. C'est-à-dire que déjà, Clappy, c'est foutu. Saucisson, c'est foutu. C'est-à-dire que Nido King, il a intérêt à prendre une autre attaque que tunnel parce que sinon ça sert à rien. On n'est pas dans la merde. Bon, tant pis. On va essayer de mettre un peu plus haut niveau Nido King, qui est bientôt niveau niveau 56. Voilà. Parce que plus il est au niveau, plus il aura de chance de tuer son adversaire. Voilà. Tu peux vraiment l'utiliser? Vous n'avez pas de boîte à jetons. Ah oui, merde. Tant pour moi. Je suis trop fort au blackjack. Et j'ai un truc infaillible pour compter les cartes. Je vais me recoiffer un petit peu, comme je le fais d'habitude à chaque épisode. Paf, hop, hop, hop. La petite mèche. Pichou. Vieille merde. Ah, il est type normal, lui, non? Ou il est directement de type électrique, je sais pas. Non, type normal. Un type électrique. Pas grand chose. Pikachu. Il va me sortir toute la famille, ce con. Moi j'ai que 10 fois tunnel, hein. Faut faire gaffe avec ça. Alors, faut s'assurer de les one shot à chaque fois. Non, je suis type poison sol, donc non, ça marche pas malheureusement. Il va falloir y attaquer séisme, très vite. Même si c'est leur faiblesse techniquement. 10 000, 11 000? Je sais que je suis riche, mais bon, faut pas avoir un abus non plus, hein. Je sais qu'aussi il est riche. On va se perdre là-dedans dans cette ville, hein, c'est sûr. Trop grande, hein. Trop grande pour moi. Le centre Pokémon, s'il vous plaît. Là. On va très vite se perdre.
Et ça, c'est un très gros problème. Espérons juste que l'on gagne cette arène. Techniquement, on n'a pas trop de problèmes avec les Pokémon électriques. Hein. On a au moins une faiblesse. Il faudrait que je trouve un magasin pour acheter. Merde. Ah, mais dégagez, PNJ de merde là. Il faudrait que je trouve un magasin qui vend la CT, une DCT de type sol. Ouais, je la sens mal cette arène. Hein. Trop grande pour moi cette arène. Hein. Tu comprends rien, tu comprends. Hein. La puissance seule, sans la maîtrise, ne sert à rien. Un type assis, ça serait mieux placé qu'un type électrique, hein, je trouve. Au moins, t'es sûr d'une chose avec Royal Dino, c'est que tu risques pas de te faire toucher par l'attaque électrique. Et en plus, tu one-shot. Que demander de mieux? Magnéton, il ne l'évite pas. Et puis en plus, ça, c'est x4. Bah, assis électrique, c'est x4. Il obtient le type acier à la deuxième génération de toute façon. En vrai tunnel c'est trop bien. Mais faut avoir 6 pour s'assurer de. Déjà de tuer. Oh, une course d'Electrosprint. Je suppose qu'il faut courir dessus, non? Ce Pokémon ne vous appartient pas, il vaut mieux le laisser tranquille. C'est toi le champion? Et seuls les joueurs chanceux peuvent y passer ici. Hein? Oui. Qu'est-ce que c'est que cette arène? Ah ok, ok. Salut jeune dresseur, tu t'en doutes, cette arène est un peu spéciale. Pour passer, il te faudra gagner un pari contre moi. J'ai la mise de oula. La mise est de 2000 jetons. Es-tu partant? Désolé, tu n'as pas assez de jetons. 2000 jetons pour passer. Il faut gagner le pari hein. Dis en haut, si tu perds, bah tu recommences à dépenser 2000 jetons. Mais j'ai même pas la boîte à jetons moi. Oh putain. Désolé, le casino est réservé à une certaine clientèle. Vous êtes trop jeune pour entrer. Je vais vous conduire au centre Pokémon. Ceci était un gros troll. Je n'ai pas le droit de jouer. Agent de sécurité, bonjour. Bonjour, je suis désolé, mais seuls les individus de marque peuvent pénétrer dans ce lieu. Vous n'êtes pas admissible. Qu'est-ce que c'est que cette ville? C'est limite, en fait, ce jeu n'était pas prévu pour que t'ailles plus loin, alors du coup, ils te font chier jusqu'au bout. Je suis venu ici pour grossir le nombre de mes contacts. Je suis pas déçu du voyage. Désolé, ce bâtiment est interdit d'accès. C'est pas comme si tout le monde était matérialisé. Certains scientifiques profitent du fait que certains riches investisseurs viennent dans cette ville pour se faire soutenir financièrement. Ouais, bah non, je me suis fait troller. Bon, j'arrête pas de me faire troller dans cette ville en fait. Hein. Y a-t-il une ville où est-ce que je peux rentrer? Une maison, est-ce que je peux rentrer? Je sais pas, y a forcément un endroit. Un PNJ qui peut m'aider, non, je sais pas. Non? Mais non, mais sérieusement. Laissez-moi rentrer, bordel de merde! C'est quoi cette ville?
sais pas exactement où est-ce qu'il faut aller. Mais une chose est sûre, c'est qu'il faut la boîte jetons pour continuer. Alors non seulement il faut la boîte jetons, mais en plus de ça, il faut 2000 jetons. Et où est-ce qu'on va trouver la boîte jetons? Peut-être au centre Pokémon. Ça m'étonnerait pas. C'est le seul endroit où qu'on peut aller de toute façon. Et alors il y a intérêt à ce que ce soit là-bas, hein, parce que sinon je comprends rien au jeu là. Non, ici c'est un cul-de-sac. Ok. Toi t'as une tête à donner une boîte jetons. Non. Et toi? Non mais sérieusement. S'il vous plaît, je veux une boîte jetons. Toi tu donnes quoi? Toi t'es toujours les B toi. Mais jamais tu ne donneras de B Mais citrus toi. Cette vie c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que t'es censé faire? La vie du péché. Est-ce que c'est moi? Est-ce que je pourrais avoir une boîte jetons, s'il vous plaît? Afin de participer à l'arène. Après le reste, je m'en branle. Eh, je vais y arriver. Salut, jeune homme. Jeune dresseur, à cause du fonctionnement particulier de cette arène, je vends des jetons. Tu en as besoin? C'est déjà mieux. Il me faudra une boîte jetons. Il te faut une boîte jetons pour pouvoir ranger. As-tu une boîte jetons à me donner? Oula. Ceci était un bug. Tu vois déjà. Seules les machines en bas de l'arène sont vraies. Oui, c'était bien un bug. Un bug assez glauque. Une boîte jetons s'il vous plaît. Je voudrais une boîte jetons s'il te plaît. Bon. Peut-être que les miaou sont loin. Comment on est censé jouer à ce jeu? Je suis presque sur le point d'avoir le 6ème badge et je peux pas l'avoir juste parce que j'ai pas de boîte jetons. Quelle tragédie. Forcément l'endroit que j'ai pas encore visité, je sais pas. Peut-être que c'est la route suivante, je sais pas. Peut-être qu'il y a un bâtiment libre d'accès parmi toutes ces centaines de bâtiments qui n'ont aucun intérêt. Est-ce que tu peux pas rentrer? Est-ce que je suis trop jeune? Oula, cool lag. Dégagez s'il vous plaît. Ok, c'est Rokul sont mis là juste pour éviter que tu y accèdes. Genre c'est les Rokul qui t'empêchent d'accéder. N'importe quoi. Je sais pas ce qui bloque, mais en tout cas ça bloque. Bon. Élever des Pokémon c'est long. Et j'ai pas que ça à faire. Alors je perds. C'est à ce moment là que j'aimerais bien croiser Myst. Le seul bâtiment que je peux, dans lequel je peux rentrer, c'est le centre Pokémon et l'arène. Vous rendez compte? Il y a forcément au moins un bâtiment.
libre d'accès. Oui, je suis trop jeune, excuse-moi. On va tous se les faire. Non, tu... Oh putain. C'est le genre de ce moment-là que j'adore Saints Row, c'est que dès que t'as un PNJ qui te fait chier, t'as juste une chose, une seule envie de... C'est de le mitrailler. Mais tu vas me laisser rentrer dans une pipe? En bois tendre? Oh my god! Je suis allé sur la route au nord de la ville, un type un peu bizarre m'a défié et m'a explosé. Pourtant, je suis un brasseur. J'ai même quelques badges, moi aussi. Et pourtant... Peut-être que ce bâtiment est important. Oula, t'as déjà été à Villa Cambry? C'est une ancienne ville souterraine, c'est super étrange. Non, moi c'est le bot jeton que je veux. Valsega est vraiment une ville immense, c'est difficile de s'y trouver pour un étranger, c'est sûr. Putain, le seul bâtiment d'accès sert à rien du tout. C'est genre... Même pas pour me donner la boîte jetons, non. Non, c'est Dialka, tu te démerdes. T'es dans un lieu paumé, c'était même pas censé être arrivé jusqu'ici. Normalement, t'es censé perdre et rage quitte dans ce jeu. Mais c'est quoi? C'est pas possible! Il y a forcément un autre de bâtiment libre d'accès, non? Je sais pas. Non. Ok, alors. Toujours pas. Et celui-là? Bon, dégage toi. Pareil. Est-ce qu'il sert à quelque chose? Personne. Oh. Salut, tu m'as l'air d'adresseur, par conséquent, tu dois beaucoup voyager. J'ai perdu un objet très important, un scanner, lors de mes expéditions. Il appartient à un confrère. Je suis vraiment dans une impasse. Il me semble l'avoir perdu lors de mon expédition sur le Channel 11. Si tu mets la main dessus, fais-moi signe, s'il te plaît. Channel 11. Oh putain. Carte, Channel 11, ou que c'était ça. Peut-être que ce PNJ va nous donner une boîte jeton. Du coup, on va retourner à cette route. Et on va chercher ce putain de scanner. En fait, est-ce que je l'ai pas déjà en fait? Est-ce que je l'aurais pas déjà trouvé? Pas dans mes souvenirs. Non. On va devoir fouiller le scanner. Alors, à partir de là, on est à la Channel 11. Va falloir bien fouiller. Parler à chaque coquillage. Moi je suis fou, hein. Je parle aux coquillages moi par exemple, maintenant. Et il a perdu dans l'eau à tous les coups, hein, ce con. Encore plein de coquillages. Oula. Un coquillage dans lequel on peut marcher dessus, c'est bien que ça. Oh, un coquille perle. Waouh.
sont énormes les coquillages, hein. Ils font ma taille. Vous vous rendez compte? Moi, je m'en fous de toi, tant cool, hein. Je veux le scanner. Salut, tu sais plonger? Viens me voir avec un Pokémon qui connaît plonger et je t'apprendrai. Et sinon, c'est qui lui? Non, t'as pas scanné. Ouais, mais est-ce qu'il faudrait pas le badge? Ok, alors imaginons le scanner est sous l'eau. Et il faut plonger pour plonger. On est d'accord. Imaginons, pour maîtriser l'attaque plongée, que j'ai d'ailleurs, il faut le badge de Valsega. Mais pour avoir le badge de Valsega, il faut une boîte jeton afin de participer au concours. Mais pour avoir cette boîte jeton, il faut parler au scientifique pour qu'il nous le donne. Mais pour qu'il nous le donne, il faut qu'on récupère son scanner. Mais pour récupérer son scanner, il faut l'attaque plongée afin de plonger sous l'eau. Oui, j'ai un Pokémon. Allez, c'est parti. Eh bien, je m'étais complètement trompé. Sous l'océan, l'eau douce c'est bien mieux, tout le monde est heureux, oui, sous l'océan. On va chercher l'objet scanner, on s'en bat les couilles que je vous pète les oreilles. Et c'est le scanner. Eh ben j'avais raison. Sauf qu'on pouvait plonger, bien évidemment. Voilà. Sous l'océan. On va explorer un petit peu plus. Ah, une horde de Marill. Ces Pokémon ne sont pas décidés à bouger. Tiens, on peut rencontrer les Pokémon sous-marins. Et c'est un Starry. Oh, j'aime bien les Starry personnellement. Je suis Royal Dino, je te défonce en un coup si tu me fais chier. Hypocéan. Je l'ai en shiny. Il est très beau. Enfin, je vous l'ai déjà dit en plus. Et de Cookie Pearl, je peux te parler, non? Enfin, est-ce que je peux faire quelque chose avec le Cookie Pearl? Et ben voilà. Et étant donné qu'on est déjà allé à Valsega, on va pouvoir y aller. Merde. Enfin, y retourner à coup de vol. Envolez-vous à Valsega. Il va falloir retrouver ce putain de bâtiment. Alors, où qu'il était déjà? C'était pas ici? C'était lui. Salut, tu m'as l'air d'un reste. Oui, je l'ai ton scanner, ta gueule. C'est ça que vous avez perdu? Oui, exactement. Pour te remercier, prends ça, je viens de l'inventer. Il te permettra de déplacer des grosses charges. Robot. C'est ce qui remplacera l'attaque. Force. Et toi, est-ce que tu donnes quelque chose de logique? Tiens, un visiteur, je suis un chercheur assez réputé. J'ai reçu un financement pour mener des expériences qui ont abouti à la fabrication de ce que tu vois là. Une authentique machine à voyager dans le temps. Je recherche actuellement des dresseurs accomplis pour la tester. Cela t'intéresserait-il? Fais bien attention, tu ne pourras pas changer d'équipe. Et il est conseillé d'avoir un Pokémon avec vol et un autre Pokémon avec surf. Toujours partant? Eh bien, on va remonter dans le temps. Dans le prochain épisode, c'est-à-dire dans un demi-mois. Et pourquoi? Parce que je n'ai pas, malheureusement pas eu le temps
de tourner la suite. Donc c'est en gros que là, celui-là, c'est le dernier épisode du mois de juillet. Donc c'est normal si vous n'avez pas de suite hein, pendant tout le mois de juillet. Par contre, pendant le mois d'août, vous aurez masse d'épisodes, je pense, parce que je pense pouvoir tourner la suite ou pas. Qui sait, on verra. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu. Si vous a plu, vous pouvez liker, vous pouvez commenter pour écrire tout ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner pour suivre toutes nos aventures sur ma chaîne YouTube. Suivez mon Twitter, likez ma page Facebook. Et suivez toutes nos aventures sur ma chaîne YouTube. STLK64. Donc salut tout le monde.